Bienvenue dans les petits secrets de la série Caliderson. Et aujourd'hui, on attaque avec la troisième saison et le chapitre 4, Puisque la route, trois petits points. Et on va tout de suite apporter la suite de cette phrase. Eh bien, elle est dans la chanson Bienvenue dans mon cirque. Bienvenue dans mon cirque. Puisque la route est une femme, dit la chanson. Et la transition est toute faite, nous allons parler musique aujourd'hui. Tout d'abord, la musique de fond qu'on utilise pour les petits secrets de Caliderson, écoutez-la bien. Elle s'appelle À rebours. Et pourquoi ? Eh bien, la réponse est à la fin de la chanson. Écoutez ce passage. Voilà une langue bizarre et inconnue. Pas si inconnue que ça. En fait, qu'est-ce que c'est que ces paroles ? Eh bien, il s'agit d'un conte à rebours en français, mais avec les lettres inversées. On rajoute là-dessus l'accent que vous voulez et ça donne... Pas mal, hein ? Parlons maintenant de cette autre musique. Créée pour cet épisode, cette musique s'appelle Chemin de feu. Eh bien, cette musique est réutilisée dans le chapitre 6, Lueur dans la nuit, pendant le combat de Caliderson contre Camus. Et justement, le scénario de ce combat a été entièrement réalisé par rapport à la musique en dessous. Non ! Ce chapitre voit apparaître le personnage du seigneur Adrien, mais lui pour l'instant on s'en fout, on va parler de son château. Eh bien son château, il en faut au moins 5 pour en faire un. Le château d'Avully à Brampton, le château de l'Échelle à La Roche-sur-Foron, Fort-l'Écluse dans l'Ain, le château de Bonneville et le château de Baudry sont les 5 lieux de tournage qui font le château du seigneur Adrien. Rappelez-vous que dans le chapitre 7, on a droit à cette explication. Plusieurs parties dans le château, il y a les salons... C'est... Le château du seigneur Adrien a donc plusieurs parties, dont une partie à flanc de montagne. Revenons à cette troisième saison qui change pas mal de choses, au niveau du format bien sûr. Les épisodes ont désormais tous 11 minutes de durée et sont regroupés par chapitre. Cette saison comporte 3 chapitres, le 4, le 5 et le 6. Beaucoup de nouveaux personnages font leur apparition, tout comme ici Romaric joué par le réalisateur de la série lui-même, qui s'offre le luxe de venir dans la série pour pouvoir enseigner à Caliderson, son personnage du moment, de nombreuses leçons de vie, comme par exemple cette tirade sur le pouvoir du bouffon. On découvre aussi ici le personnage de Colin, joué par Jules, le petit frère de Noé. Et enfin, roulement de tambour, c'est la première apparition de Jézabel, jouée par Gladys, et qui est un des personnages préférés des fans de la série. A noter que ce personnage complètement loufoque et pourtant très sage de Jézabel a vraiment été créé pour Gladys elle-même. Doit-on en conclure que Gladys est aussi folle que Jézabel ? Ce chapitre est une ode au pouvoir de la nature et Caliderson trouve en Jézabel un véritable maître. Si j'avais de la peinture, eh ben je pourrais le dessiner. Comme ça, tout le monde verrait ce que je vois. Hé, hey, c'est pas bête, il paraît même que les hommes préhistoriques peignaient sur les grottes en fonction du relief. Enfin, parlons de cette séquence mémorable. Caliderson et Jézabel improvisent totalement, sans s'être concertés avant, une mélodie ensemble à l'unisson. Et pour arriver à un tel miracle de la nature, eh bien... Chut, c'est un secret.